les tenues qui sont stylées sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas moi. Je ne me sens pas à l'aise avec une chemise, un jean, un blazer, des bottines, des robes cintrées. Quand je porte ces tenues, j'ai juste l'impression de porter un déguisement. Pourtant, quand je regardais des films et que je lisais des livres, c'était quasi la seule tenue que les adultes portaient. Comme s'il y avait pour chaque âge et chaque personnalité un seul style vestimentaire associé. Le problème, c'est que de mon côté, je n'ai jamais eu de style précis. Et ça a engendré beaucoup de mal-être et de questionnements du style « Qui suis-je ? » Et que dois-je porter pour montrer qui je suis ? Aujourd'hui, je suis en collaboration avec Nextory. Nextory, c'est une application qui vous permet de lire plein de livres et aussi d'écouter des livres audio pour que quelqu'un vous susurre à l'oreille des petits mots. Je vous ai déjà parlé de cette application de lecture sur la vidéo que j'ai faite sur la série You, qui est une super vidéo et je vous conseille d'aller la voir. Vous cliquez, hop, vous la mettez dans un nouvel onglet, vous faites pause et vous dites « reviendrai après cette vidéo ». Et j'ai aussi un code LEA60 qui vous permet d'avoir non pas 30 jours, mais 60 jours offerts. Et donc tu peux passer grâce à ce code LEA60 l'été, pépouze, à lire tout ce que tu veux. Mon petit lien pour télécharger l'application en barre d'information. Je peux enfin lire des livres pour moi, puisque j'ai fini et j'ai eu mon âme. J'ai eu mon année. Je vais en parler en détail sur Instagram, des masters et tout ça. J'ai pleuré. Bref. Donc je lis Clairvoyance, La Maison de l'Ombre. J'écoute en audio La Fille du Train parce que j'ai fini le roman et j'ai tellement adoré que je me suis dit que j'allais écouter le format audio. Voilà, il est trop bien. Bref, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui on va parler de vêtements, de ça, de style et de classe sociale. Parce que ce fut un des très grands questionnements dans ma vie humaine. Parce que c'était une charge mentale énorme que je portais dans mon sac à dos sans réellement le savoir. Et je me suis dit que peut-être cette vidéo allait résonner en toi, dans ton petit cœur, et peut-être que ça t'aiderait d'y voir un peu plus clair. Je me suis toujours habillée pour moi, qu'importe ce que les gens pensaient, qu'importe ce que ma mère pensait, je m'en suis toujours foutue du regard des autres. Et mon premier écart vestimentaire, je l'ai eu vers 12 ans. Je voulais devenir punk. Je voulais donc des radcou à pic, des Doc Martens, et évidemment je voulais surtout une crête. Et du coup j'ai demandé à ma mère de me faire une crête, et j'avais les cheveux quasi aussi... Non, un peu moins... Ouais, j'avais les cheveux quasi aussi longs que ça. Moi je voulais une crête, elle voulait pas, donc elle a fait semblant qu'on ne pouvait pas faire de crête sur mes cheveux. Aujourd'hui maman je sais qu'on peut faire ça, alors oui ça serait un enfer avec ça. Et du coup indirectement si je ne peux plus avoir de crête, et eh bien je ne peux plus être une punk. Alors j'ai abandonné. Juste je précise, comme je suis un petit dino, moi internet et les réseaux sociaux, genre Facebook, je l'ai eu à 15 ans. C'est à dire que les tutos mode, les tutos make-up, savoir se faire une crête en ligne, vraiment moi je croyais juste ce que ma mère me disait, ce que les magazines People disaient et grand max en fait. J'avais pas de quoi chercher l'information. Et malgré mes tentatives de rébellion, je faisais globalement ce qu'on me disait. Genre. Finalement, au collège, j'étais plus habillée en mode street. Alors, il faut savoir que ça va résonner dans beaucoup d'entre vous. Mais je récupérais les sapes de mes cousins, de mes cousines, de mon frère. En fait, c'était un peu genre le vide dressing, mais avec les sapes de la famille. Comme il n'y avait que des mecs, je m'habillais en genre de baggy, gros pull, gros t-shirt, hyper ample. Donc, j'écoutais les mêmes musiques que mon frère. Du coup, c'était un peu mon modèle. Ça allait avec le style, genre les gens qui écoutaient du rap, ils s'habillent comme ça. On commence déjà à se mettre dans des petites cases, tu vois. Du coup, encore une fois, ma maman, elle a toujours été très critique envers elle-même. C'est une personne qui s'habille toujours de noir, qui se fait discrète possible. Et elle a vraiment un blocage avec tout ce qui est féminité. Genre, elle avait vraiment ce truc de dire, faut pas que tu t'habilles comme ça. Non, ça, c'est pas des filles bien, nanana. Du coup, la féminité, elle la mettait globalement mal à l'aise. Moi... pas vraiment. Je rigole parce que du coup elle a dû subir ma féminité. Du coup voilà, je crois 5e, je suis restée un petit peu en mode street et du diabs dans les oreilles, RPZ. Mais du coup j'ai découvert très rapidement une passion pour cette chose que ma mère détestait autant. Est-ce que c'était un petit peu un acte de rébellion? Peut-être. Mon rêve d'enfant, en outre d'être chanteuse, c'était d'être styliste. Oui, moi, je voulais être styliste. Mais c'est pas genre je voulais être styliste, c'est je devais l'être en fait. C'était tracé dans ma tête. Encore une fois, il n'y avait pas internet. Donc c'était découper des magazines, regarder des séries, regarder dans la rue les gens, passer devant les vitrines, regarder les catalogues 3 Suisses. Il n'y avait pas Instagram, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Moi j'avais Encarta. Si vous n'avez pas connu Encarta, vous avez manqué quelque chose d'historique. Et j'ai demandé à mes parents de réaliser mon rêve et de rentrer dans une école de mode. Ceux qu'ils ont accepté un petit peu à contre-cœur parce que c'est des écoles qui sont chères. Pas chères comme une école, mais c'est quand même une école privée. Après ma 3e, j'avais donc 14 ans et demi, je suis partie vivre toute seule à Toulouse pour pouvoir faire cette école. Faut savoir que je vivais dans un village de 70 habitants à la campagne profonde entourée de champs à 1 heure de Toulouse. Je précise, à 14 ans et demi, j'étais
c'était bien pire qu'aujourd'hui. J'avais un énorme mépris, gros comme as, pour les gens de la campagne. Peut-être aussi parce que j'ai été harcelée pendant toute mon adolescence par les rugbymen et par leurs meufs, enfin jusqu'à précisément mes 20 ans, mais aussi parce que globalement les gens se sont toujours moqués de moi, de comment je m'habillais, comment je me comportais, comment j'étais, genre vraiment j'avais l'impression d'être un ovni. Voilà, je m'en foutais réellement du regard des autres. Vers 14 ans, j'ai une période où je m'habillais en tectonique hileuse. Enfin, faut savoir qu'à la campagne, personne s'habillait quasi comme ça. C'était vraiment le classique bourge ou le bof, sans mépris de classe pour les bofs. À la campagne, c'est plus virulent qu'en ville. En ville, tu peux globalement t'habiller comme tu veux. À la campagne, c'est pas pareil. Tout le monde se connaît, tout le monde parle trop mal de tout. Enfin, vraiment, j'ai trop mal vécu toutes ces périodes-là. Et c'est dommage, parce que la campagne a grave de potentiel. Je me souviens, j'avais un manteau rétro style argenté. J'étais allée à la fête foraine avec, dans les fêtes foraines de petits villages, quoi. Et on s'était trop foutu de ma gueule. Et finalement, c'est la même année, il y a le film Disco qui est sorti. Et après ça, il y avait plein de gens qui avaient la même veste que moi. Et du coup, j'étais en mode, mais vous êtes vraiment des pauvres. En fait, je détestais vraiment ces gens. Je les méprisais au plus haut point. Je me souviens de trucs si nuls. Des fois, je me dis, j'ai vraiment encodé ce genre d'informations. Ça me rendait super triste, en fait. Je me sentais vraiment comme une... Bref, du coup, à 14 ans et demi, je suis partie à Toulouse et là, j'ai découvert un nouveau monde. Et je pense que c'est aussi après ça que j'ai encore plus eu confiance en moi et en qui j'étais et en mes capacités. J'avais fait des vidéos storytime à l'époque sur toutes ces périodes-là avec des petites morales sur tout ça. Du coup, j'ai fait mon année de BEP et c'était une année où je passais 2 fois 8 heures par semaine assise à coudre. Moi, hyperactive. On cousait des trucs qui étaient trop moches. Moi, je voulais devenir une grande styliste. Je voulais faire du dessin. Je voulais être une artiste, en fait. Pas une couturière. Totalement méprisable. C'était pas le néolibéralisme comme aujourd'hui. C'était pas les réseaux sociaux. C'était pas tout ça. C'était en mode, faut que t'aies un métier que tu vas avoir toute ta vie. Enfin, il y avait moins ce mythe autour de la méritocratie qu'il y a aujourd'hui. Du coup, on y croyait moins à ce que, tant mieux ou tant pis, je sais pas, c'est pas le débat. Je m'ennuyais en fait, c'était pas pour moi. Je me suis quand même fait de super copines, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Mais en tout cas, je savais qu'en venant d'où je venais et en étant qui j'étais, il y avait peu de chance, même si je me donnais corps et âme, c'est ce que j'ai fait, pour que je finisse styliste, tu vois. Et donc j'ai dit à mes parents, bon ben en fait, c'était bien mignon, vous m'avez payé un an, mais en fait, je veux retourner en seconde générale. Moi, j'aimais trop l'école, j'aimais trop apprendre et j'avais l'impression de perdre mon temps. Je suis retournée en seconde générale à la campagne. Vraiment, ce fut terrible. Le lycée a été la pire période de ma vie entière. J'en fais encore des cauchemars. Je suis revenue dans cette école, encore une fois, j'avais pris confiance en moi, j'étais nourrie de mode et je voulais vraiment être moi-même. Mais mon propre style, c'était pas de devenir élitiste, porter du luxe et tout ça. Moi, je voulais être émo. Enfin, j'étais émo en fait. J'avais genre un piercing fer à cheval, j'avais les cheveux blancs décolorés avec la mèche en côté, les trucs un peu panthère. Ce qui m'a valu de nombreuses blagues, de nombreux commentaires déplacés. Vu qu'il n'y avait pas grand monde qui avait des styles variés, bah j'étais un peu le vilain petit canard. Quand j'étais à Toulouse, j'avais acheté une valise rose fuchsia. Donc, elle était rose fuchsia à croco, vernis. Elle était genre hyper flashy. Je suis revenue à la campagne. J'étais en internat. Donc moi, j'ai fait mon lycée au Garros à Auch. Je déteste. On avait un endroit pour poser les valises. Le soir, quand les rugbymen allaient récupérer les valises, ils prenaient ma valise et ils la cachaient dans tout l'internat. Donc moi, je passais des heures à chercher ma valise. Parce que bah, elle était flashy, etc. Du coup, j'ai dû faire quoi? Acheter une valise toute discrète pour pas me faire bully. Il y a des gens, ils ont peur des immigrés. Moi, j'ai peur des rugbymen. Aujourd'hui encore, quand je vais à la salle de sport et que je vois des rugbymen, j'ai mal au ventre. Je panique. J'ai décidé à partir de là de commencer à me faire de plus en plus discrète. Pas par envie, mais par non choix en fait. Soit tu t'habilles comme tout le monde, tu deviens comme tout le monde, soit t'es un peu original et tu vas te faire bully, tu vas te faire rouler dessus en fait. Et j'ai essayé un petit peu de comprendre pourquoi bah, j'étais pas la meuf cool et populaire des films, tu vois. À comprendre donc les normes sociales, à comprendre les tenues vestimentaires, à essayer de forcer à... Et en parallèle, bah, y avait de plus en plus internet, on pouvait regarder les séries en streaming, etc. Et moi j'avais lu tous les Gossip Girl et bah, je me suis retrouvée à mater les Gossip Girl en série. À partir de là, nouvelle lubie dans ma vie, c'est la classe sociale. Enfin, j'ai pas encore ces mots dans ma bouche, évidemment, mais j'ai compris qu'il y avait une élite et qu'il y avait du luxe et qu'il y avait une façon de s'habiller pour être valorisé socialement, en mode essayer de faire un transfuge de classe, comme le dirait Bourdieu, c'est-à-dire un individu qui change de milieu social au cours de sa vie. Mais on parlera de transfuge de classe et de mépris de classe dans une prochaine vidéo que j'ai déjà écrite indirectement, et beaucoup de gens le sont, même socialement, en fait. L'individu est éduqué à faire du mépris de classe, en fait. Tu vois, par exemple, dire
à quelqu'un, t'es un bof. Oh là là, les mecs là, les kékés avec leur tuning et tout, nanana. C'est du mépris de classe. Il y a tellement de choses à dire sur le mépris de classe, mais on en parlera dans une vidéo dédiée à ça. À travers ce mépris, c'est vraiment mépriser les gens de la classe en dessous parce qu'on n'a pas envie de devenir ces gens-là. En fait, on crée un dégoût pour ces gens. Et j'en ai parlé un peu plus en détail de mon éducation et de pourquoi, etc., dans la vidéo que j'ai faite sur les préjugés vous détruisent la vie, que je vous mettrai aussi ici. Franchement, si vous avez un peu de temps là, n'hésitez pas, je vais me mettre des liens en dessous, aller mater des vidéos qui parlent un peu de ça, ou même mes dernières vidéos. Ça me ferait vraiment très plaisir, et avec beaucoup d'amour. Et comme le dirait Bourdieu, c'est le goût du dégoût en fait. Classe bourgeoise, c'est avant tout du mépris de classe et du coup du dégoût. Et il y a des sociologues comme Norbert Elias qui ont fait des livres super passionnants sur le sujet, notamment avec La noblesse d'État, où il a étudié la bourgeoisie à la cour. Par exemple, manger avec des fourchettes, ne plus se moucher dans sa manche, etc., etc. Là-bas, c'était plein de petits trucs bourgeois pour se distinguer des pécores. Du coup, moi, je décide de ne porter que des talons, de ne porter que des robes, faux ongles, cheveux longs, maquillage, féminité, plus, mettre en avant mes formes, etc., etc. J'étais donc très prétentieuse et très snob. Alors, encore une fois, je viens d'un village de 70 habitants et je n'ai pas les codes sociaux qui vont avec. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite très fine entre ce que on pourrait nommer vulgarité et bourgeoise. Pour être bourgeois, tu peux porter des habits, pas n'importe lesquels, c'est-à-dire que tu ne peux pas porter n'importe quelle robe, n'importe quel talon, etc. Et ça peut très vite devenir socialement vulgaire. Ou du slut-shaming, j'en ai vécu du coup à partir de cette période énormément, parce que bah, j'étais considérée comme quelqu'un de vulgaire. Du coup, encore une fois, moi qui voulais être discrète et m'adapter aux normes sociales et appartenir à cette classe de gens qui se prenaient pour je ne sais pas qui, les petits bourgeois du coup de la campagne, qui le sont réellement, bah, je me retrouvais à vraiment pas être discrète du coup. Parce que, encore une fois, bah, j'essayais mais j'y arrivais pas et j'étais incapable de comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. Et je me disais, non mais c'est parce que voilà, quand t'auras 27 ans, tu seras comme ça, tu t'habilleras comme ça, tu seras classe, t'auras une belle maison, t'auras une grande famille. Le petit goal life qui finit souvent en French dream là, avec la maison mitoyenne, le flunch et la famille qu'on pourrait dénigrer et dire, ah là, c'est des gros bofs. Voilà, il y a plus de chances qu'on finisse comme ça que dans le... voilà, bref. Donc, je veux juste préciser quelque chose, mais ce qui s'est passé surtout dans ce lycée, c'est que en voulant appartenir à ces gens, à cette classe sociale, etc., qui me méprisaient, eh bien moi, en retour, j'ai méprisé plein de gens, j'ai été une connasse avec plein d'autres gens, alors qu'il y avait des gens super cool et super bien qui, enfin, étaient prêts à m'accepter comme j'étais, mais que moi, j'ai méprisé pour appartenir à une classe sociale. Aujourd'hui, je me dis c'est tellement bête parce que je suis passée sûrement à côté de gens trop cool et trop sympas pour des relations hyper toxiques et pour accepter de me faire bâcher, shamer, harceler au quotidien pour appartenir à une élite, enfin une élite, alors qu'il y avait des gens trop cool qui étaient plus en accord avec qui j'étais et avec qui j'avais pas besoin de me transformer en fait. En gros, moi j'essayais d'avoir cette tenue de la girl boss, même si le terme n'existait pas encore quand j'étais au lycée. Et du coup, en parallèle de ça, j'ai commencé à avoir un blog mode, puisque bah, je regardais que ça et j'étais passionnée par ça, donc j'ai commencé à avoir un blog mode et beauté. Et je tentais de m'habiller avec très peu de thunes parce que, encore une fois, mes parents ils trouvaient ça très bête et très superficiel, ils me donnaient pas d'argent, j'avais pas d'argent de poche. Donc je dessinais encore plus, je prenais sur Topshop toutes les dernières trucs que je trouvais stylés, je les redessinais, j'essayais de coudre, enfin vraiment j'y mettais du mien, de ouf. J'essayais de trouver toujours des bons plans pour m'habiller pas cher. Que voilà, en toute sincérité, vers cet âge-là, donc mes 15-16 ans, j'ai recommencé à sentir un profond malaise social avec les gens. Et en outre de tout ça, bah, je voyais les gens, ils avaient leur style vestimentaire, ils avaient l'air d'être super heureux. La fille stylée et populaire, elle était en couple avec un beau gosse. Et moi, j'étais en mode, bah, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi ces gens ne m'acceptent pas? Qu'est-ce que j'ai de différent d'eux? Alors qu'en fait, j'étais profondément une meuf de gauche qui essayait de pécho des mecs de droite. J'ai aussi été nourrie avec des livres du style 4 filles et un jean, où il y a des filles trop stylées qui partagent le même pantalon pour plein de vacances, pour pécho et tout, pour vivre leur meilleure life. Je maltais des films où la fille sexy et canon avait un style précis de fille populaire. Elle était belle et tout ça, et moi à côté je me trouvais affreuse, pas assez bien, et j'étais persuadée que c'était ça le problème, que j'étais trop grosse et trop moche et pas assez bien habillée, et que c'est pour ça que personne ne m'aimait. Au passage, petit rappel, mais sur Next Story, il y a le livre 4 filles et un jean, si vous voulez le retrouver. Il y a aussi un livre audio qui s'appelle Prestige. C'est des filles qui rêvent de faire un transfuge de classe et qui rêvent de monde de gloire et paillettes, et pour ça, elles vont devoir passer
des choses pas cool pour devenir, mais c'est un petit peu en mode pour devenir belle, populaire, etc. Il faut que t'en payes le prix. Moi, mon prix, c'était de me faire shamer, mais ça ne marche pas en fait. Ça m'a juste pourri ma santé, ça m'a juste créé de gros traumas, ça m'a juste brisé, ça m'a juste fait perdre confiance en moi, ça m'a juste fait beaucoup de mal en fait. Genre, c'est pas normal en fait. Il y en a qui disent tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Bon, y a plein de choses que j'aurais préféré ne pas vivre. Parce que à quoi bon, ok, t'es pas mort, mais enfin, t'as des troubles psy après associés à ça. T'as des traumas, t'as plein de choses qui se font et qui sont pas normales en fait, qui vont rester jusqu'à la fin de ta vie. Alors, ça te tue pas, certes, mais je suis pas sûre que ça te rend plus fort. Ça te rend peut-être plus méchant, plus toxique, mais pas plus fort. Cette phrase, moi, je la trouve terrible. Il y a des prix à payer pour appartenir à une élite qui n'en valent pas le coup. Du coup, quand j'avais 15-16 ans, et peut-être vous aussi, dans tous les films, c'était toujours une meuf qui était banale, qui devenait belle gosse, et quand elle devenait belle gosse, elle avait ce glow up, et à partir de là, bah, tout lui était servi sur un plateau. Comme beaucoup, bah, moi, j'ai attendu et j'attendais profondément ce glow up que bah, j'ai eu finalement à un certain âge, où quand je revois les photos, je me dis waouh, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que j'étais malheureuse. C'était des restrictions de tout. J'étais pas moi en fait. Je me forçais à être socialement admise. J'avais renié toute une part de ma personnalité. Au fond de moi, j'étais profondément brisée. Mais c'est surtout le pire, c'est que quand j'étais au top de mon glow, eh bien j'étais persuadée d'être toujours moche, horrible et... Et donc j'avais beaucoup de phases où je me forçais à être comme ça, et d'autres phases où j'avais un style plutôt grunge ou encore streetwear, ou même preppy. Quand je m'habillais dans des styles un peu différents, bah en fait je me culpabilisais, je changeais souvent de garde-robe, en fait j'achetais tout le temps plein de vêtements, et ça faisait que j'avais plein de styles, mais j'avais pas de style. Et le fait de ne pas avoir un style et de mélanger les styles alors que tout le monde avait son style, bah encore une fois, je me sentais trop nulle, encore pas à ma place, etc, etc. Et moi, je voulais juste être moi avec mes goûts, mais mes goûts à moi, c'était pas cool socialement, c'était chelou. Et je me demandais toujours, mais qui je suis en fait? Qui suis-je? Et tant que j'avais pas trouvé un style, j'avais l'impression d'être une demi-personne, pas être entière. Et j'étais persuadée, ça jusqu'à mes 24 ans, qu'un jour je trouverais mon identité, que je saurais qui je suis et que j'aurais un style vestimentaire précis. YouTube, ça a été encore pire niveau standardisation. J'achetais des habits juste pour faire des photos Insta ou des vidéos YouTube, c'est des habits que je mettais une, deux fois et que je ne remettais jamais. Et même dans mon contenu, j'ai commencé à me standardiser, à essayer d'être aimée par tout le monde, à correspondre à tout ça, à devenir aussi lisse que possible, mais je me sentais hyper mal tout le temps, parce que encore une fois, je reniais une part de qui j'étais. Socialement, en tout cas, on nous fait croire que la tenue doit définir qui les gens sont, et en même temps, quand tu t'habilles d'une certaine manière, t'auras des préjugés. Encore une fois, vidéo préjugés. Dans toutes les séries, il y a la meuf cool qui va avec le mec beau gosse, il y a le mec brave, il y a la personne méchante, etc, etc, et chaque personnage dans chaque série, ils ont le même style. Par exemple, vous prenez les méchants, et surtout les méchants dans les Disney, ils sont tous gros et les princesses sont tous minces avec une petite taille. Tu prends aussi Desperate Housewives, chacune a son style associé à sa personnalité qui est très standardisée. Chronique de Bridgerton, tu vois bien que les vêtements sont hyper importants, t'as une modeuse qui habille tout le monde, etc. Voilà, la mode a énormément d'importance dans ton statut social, dans qui tu es en fait globalement. Ma personnalité ne correspondait pas du tout à mon style vestimentaire puisque mon style vestimentaire, j'en avais pas. Et ça m'a bouffé super longtemps. Alors c'est peut-être naïf, très superficiel, etc. Mais en tout cas, c'était quelque chose que j'ai vécu et qui va très bien avec ma personnalité d'avant. J'avais cette peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée, besoin d'être validée sur mon physique, sur mon poids, sur mon maquillage, sur mes tenues vestimentaires. J'étais obnubilée par mon apparence, persuadée que ça définissait ma valeur. Si jamais, il y a le livre de Mona Chollet qui en parle super bien. Ça parle très bien de comment les magazines influencent et même les réseaux sociaux, qui nous sommes, la classe sociale, etc, etc. Parce que bah, moi, ma seule mission quand j'étais ado et j'ai été éduquée comme ça, c'était juste de rencontrer un mec et de faire des enfants. Et pour ça, bah, je devais être validée par les hommes. En fait, mon corps ne m'appartenait pas. Et du coup, ma vision de tout ça a changé, notamment bah, pendant ma transition écologique. Ça s'est fait doucement, mais quand j'ai compris que tout ça n'était absolument pas la réalité, que ça me faisait plus de mal qu'autre chose, et qu'être belle ne me rendrait jamais, jamais, jamais heureuse, j'ai commencé à lâcher prise, j'ai arrêté de consommer et j'ai commencé à faire une introspection sur toute ma consommation. En parallèle, ben, j'étais dans mes études de psycho et du coup j'ai commencé à comprendre des mécanismes de manipulation sociale, etc, etc. Enfin bref, ça s'est fait en lien aussi avec mes études. Du coup, je suis devenue anti-tout, anti-conso, anti-capitalisme, anti-make-up, tout ça. J'ai viré 70% de mes sapes. Voilà, aujourd'hui j'ai juste un seul placard et important. Je donc me suis consacrée à 100% dans mes études et j'ai totalement lâché d'avoir du style
style, avoir du swag. Et je me suis éloignée de ce monde, même de YouTube et de tout ça, parce que ça me dégoûtait profondément. J'ai aussi en parallèle accepté que j'avais des TCA et donc ma prise de poids. Et j'ai arrêté de me culpabiliser et de me shamer au quotidien pour qui j'étais. J'ai commencé à ne porter que des jogging parce que je suis trop bien en joggeuse. Là, j'en ai un. Et aujourd'hui, là, ça fait l'inverse. Depuis depuis peu, en fait, on va dire, je commence vraiment à m'amuser de nouveau, comme quand j'étais petite, comme quand j'étais ado, avant de vivre toute cette période de lycée, etc., à m'amuser à être qui j'ai envie d'être, à porter ce que je veux, à me maquiller comme je veux, à me dire, mais je m'en fous, en fait. J'ai cette liberté que je n'avais pas quand j'étais ado, puisque j'étais à l'école et que, voilà. Enfin, dans le monde du travail, t'as pas forcément non plus cette liberté. Aujourd'hui, pour moi, être stylée, c'est pas acheter des vêtements ou consommer beaucoup de vêtements, c'est vraiment plus du tout ça. Ma vision de la mode a totalement évolué et changé. Pour moi, la mode, c'est avant tout réussir à composer avec ce qu'on a et avec peu. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir quelque chose d'un peu original et un peu stylé. C'est avant tout réussir à être nous-mêmes, pas à se forcer à porter des choses, même si naturellement, c'est inconscient, puisque ce goût du dégoût, ce mépris de classe, etc., il se fait vraiment très inconsciemment. Mais il y a des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas porter parce qu'on se dit non, mais ça, c'est trop jeune, ça, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, alors qu'on aime profondément cette chose. Et je pense qu'on peut l'associer avec plein de choses et faire des choses un peu plus original que se standardiser et de porter tous et toutes les mêmes vêtements en fonction des saisons, en fonction des modes, etc. Et en plus de ça, c'est absolument pas écologique de faire ça. Qu'importe la tenue que je porte, qu'importe le mood dans lequel je me sens, qu'importe l'énergie que j'ai envie d'envoyer, ma tenue ne représente pas qui je suis. Qui je suis, ça se passe dans ma tête, à l'intérieur, dans mon corps. Moi, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise, de me sentir enfermée en prison dans une tenue vestimentaire. Du coup, je m'habille de façon très intuitive. C'est-à-dire, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller et point barre. Qu'importe si ça ne suit aucune règle sociale, moi, si je kiffe, c'est le plus important. C'est trop cool parce que j'ai plus cette charge mentale de me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. C'est plus douloureux de m'habiller, c'est plus douloureux de me maquiller, c'est juste je le fais quand j'en ai envie, je le fais pas quand j'en ai pas envie. Et quand je le fais vraiment avec le cœur. Mais vraiment, genre vraiment. Malgré tout, même si ça semble très superficiel, bah, c'est une partie de moi que j'ai aussi renié quand j'ai décidé de plus rien faire du tout. Mais j'ai aussi renié ça parce que j'acceptais pas qui j'étais, j'acceptais plus ma prise de poids, j'acceptais plus d'être considérée comme socialement moche, alors qu'aujourd'hui je suis juste, voilà, je me sens juste plus libre avec qui je suis et plus à l'aise avec qui je suis. Et genre qu'importe ce que les gens peuvent penser en face, ça change pas grand chose. Je suis pas responsable de ce qu'ils ressentent quand ils me regardent, moi je suis juste bien et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à tourner le regard. Du coup, je le répète encore une fois, ta tenue et ton corps ne définit pas ta valeur, ne définit pas qui tu es en tant qu'humain. Tu peux être stylé avec des petits budgets et très peu de vêtements. Parce que c'est pas ça en fait qui définit qui tu es. C'est ce qu'il y a là. Et si, malgré tout, il y a des gens qui te jugent sur ta tenue, sur ton poids et tout ça, eh bien tant mieux, parce que c'est vraiment le marqueur rouge, le red flag, qui veut dire qu'il faut que tu t'éloignes de ce genre de personnes. Ils te donnent l'opportunité de ne jamais te mélanger à eux. Il y a plein de gens trop cool, il y a plein de gens qui sont plus en accord avec toi, qui pourraient t'apporter de très belles choses et beaucoup plus de bonheur que les gens qui te jugent en fait. Voilà! Encore merci aux sponsors de cette vidéo Nextory. N'hésitez vraiment pas du coup à télécharger l'application pour avoir 2 mois offerts avec le code LEA60. Et comme ça, vous pourrez voir de vous-même à quel point les tenues sont tellement codifiées et standardisées dans les livres comme si une tenue appartenait à une seule et unique personnalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore énormément de tous vos retours, de tous vos abonnements, de tous vos commentaires à chacune de mes vidéos. Vous êtes toujours à me dire oui mais tu mérites plus de vues, etc. Et c'est très gentil, mais ça c'est, je compte sur vous parce que YouTube n'est pas forcément toujours de mon côté. N'hésitez pas vous à repartager cette vidéo, à l'envoyer à vos potes, à me soutenir en regardant les vidéos, en commentant, etc. Et si jamais vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Utips, mais si vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas faire ça, et bien juste repartager et même regarder les vidéos jusqu'au bout, même plusieurs de mes vidéos, ça m'aide mais genre énormément. Parce que le temps c'est un petit peu de l'argent, mais vous pouvez faire play et me laisser au fond discuter comme ça. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur mon podcast qui s'appelle Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas, où je suis en train de faire des formats très exclusifs de petits racontages de live comme des journaux intimes. Et sur Twitch, là je vais reprendre les Twitch cet été je pense. Quoi, merci vraiment de tout, vous êtes géniaux. Bye bye.